de la modulation face au bruit. Donc, le bruit, comme on le a défini déjà le chapitre 1, donc c'est un signal aléatoire, indésirable, qui accompagne généralement les signaux utiles, les signaux de la transmission. Bon, voilà. Là, vous avez un exemple d'un signal en bleu, là. C'est un signal bruit. Maintenant, ce qu'on va voir, ce qu'on cherche, comment est le signal influe, jusqu'à quel niveau est le signal, il peut influer un signal AM. Donc, on va supposer, soit un conducteur parcouru par un courant électrique d'un signal AM, ce mot IAM, en bleu, c'est un conducteur. Le conducteur est parcouru par un courant. Bon, qui dit tension, dit courant. Mais qui a une tension, il y a toujours un courant. On va parler du courant, mais je te fais un mot, c'est beaucoup plus simple. Je te fais un mot à l'aise, l'additionnement. Donc, un courant IAM, c'est un signal AM, le courant TA, c'est I. En présence du bruit dans ce conducteur, donc, qui m'a le courant se met au IN. En présence du bruit dans ce conducteur, il y a deux courants. Nous avons deux courants. Le premier courant, c'est le courant modulé en amplitude, IAM. Le deuxième, c'est le courant de bruit, IN. Le courant total dans le conducteur, là, bon, regardez, il y a comme deux courants dans un conducteur. C'est quoi un courant? Un courant de quoi? Des électrons. Regardez comme sur un ensemble des électrons qui parcourent un conducteur. L'ensemble des courants des électrons, pardon, l'ensemble des électrons sont, par exemple, le courant AM. Vous avez un deuxième ensemble des électrons qui parcourt le même conducteur, mais qui vient, si vous voulez, sont causés par un bruit. Un courant, un rythme aléatoire. Il traite les deux ensembles. Vous obtenez quoi? Vous obtenez la somme des deux courants. Donc, les amplitudes des deux courants s'additionnent. Donc, comme deux courants dans un conducteur, c'est la somme. Donc, IAM plus IN. Maintenant, donc soit un signal AM qui m'aide, un bon signal AM, avec un bon profondeur de modulation. Vous pouvez voir, il y a une belle différence, mais bien le maximum ou le minimum. Et je ne peux pas vraiment utiliser mon PC à la très bizarre. Il y a des mises à jour toujours comme ça. Donc, le stylet. Voilà. Il y a une différence entre ce point et ce point. Voilà où est l'indice de modulation. Bon, j'ai la différence, c'est le rapport, bien sûr, entre AB ou AP, mais il est traduit par cette différence-là. Comment est-ce qu'on a l'indice de modulation MQB, comment la différence MQB? Donc voilà, on va appliquer un bruit à ce signal-là. Voilà. Là, vous avez signal AM plus bruit est égal signal AM déformé. On peut voir la déformation, mais bien là. Ouais, normalement, quand tu as une image de Bahra, normalement, là, tu vois le signal bruit qui m'aide. Le premier, là. Donc, il est bon, superposé, si vous voulez. Normalement, il doit être superposé, mais je ne sais pas, Alèche. Le résultat, la somme de Alèche, mais le signal bleu, ça vous donne ça. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'amplitude, le signal AM, n'est plus la même amplitude qu'avant. Ce n'est pas les mêmes valeurs. D'accord? Donc voilà, le signal AM, il est là. Regardez, le problème, c'est quoi? Le signal AM, le signal modulant, il est où? Il est dans l'amplitude. Le signal modulant, ouais, là, la forme. C'est une forme, le sinusoïdale. Donc, on a un exemple d'un signal modulant sinusoïdal. Est-ce que le signal modulant, vous est le même que ça? L'enveloppe est bon, il y a un peu de couleur. Est-ce que l'enveloppe est la même que l'enveloppe? Et qu'un signal sinusoïdal? Non, ce n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que
vous avez une déformation de l'amplitude. Et l'amplitude, la AM, c'est l'amplitude qui contient l'information. Donc, un bruit, il va influer directement sur l'information transférée par un signal AM. C'est le problème de la AM. Juste très bas que je supprime tout ça. Voilà, le bruit déforme le signal modulé en amplitude. Mais bon, il déforme, le problème c'est que il déforme même le signal modulant, parce que le signal modulant a l'amplitude. Ou le bruit déforme l'amplitude. Parce qu'en comme, à l'âge, il déforme l'amplitude, comme j'ai déjà dit, l'un comme la somme qu'elle est de courant. Donc, à deux signaux. Donc, ils somment. Qu'est-ce que vous allez sommer? Vous allez additionner quoi? Vous allez additionner les amplitudes. N'est-ce pas? Voilà. Après la démodulation, on va voir, c'est quoi la démodulation? On a le signal modulant. Le signal AM du dos, on extrait le signal modulant. Donc, là, si je démodule ce signal-là, j'obtiens ça. Est-ce que ça, c'est un signal sinusoïdal? Bon, c'est un signal sinusoïdal, mais avec les trucs à le bruit. Bon, un signal qui m'a là, je peux le traiter. Hein. Ça arrive facilement, je peux le traiter, j'utilise un filtre qui a une fréquence de coupure entre la fréquence HF du signal, entre rapidement, et la fréquence, tu as le signal, la fréquence lente, tu as le signal modulant. Donc, ce qui se passe, c'est que le filtre va éliminer les variations rapides, tu as le bruit, et il va laisser la variation lente, tu as le signal modulant. Mais ce n'est pas toujours qu'on a le cas. Là. Des fois, il y a que le signal modulant qui met un signal vidéo qui varie rapidement. Dans ce cas-là, la fréquence du signal modulant va être proche de la fréquence du bruit. Généralement, le bruit il existe pour n'importe quelle fréquence. On va voir ça en troisième année, Inch'Allah. Juste en tant que des notions de base. Mais je te fais moi, laisse la modulation d'amplitude, elle est très, on va dire comme ça, elle est très vulnérable au bruit. D'accord? Donc voilà, ça c'est le signal qu'on va récupérer. En plus, le problème c'est quoi? Elle a un indice de modulation M, elle est élevé. Mais dès qu'il y a un M faible, déjà, il y a un si, par exemple, l'amplitude de la AM varie lentement comme ça, bon, je ne parle pas de variation, l'amplitude. Si l'amplitude de la AM est faible comme ça, dans ce cas-là, il est j'ajoute, si j'additionne un bruit avec ça, j'obtiens quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, je vais perdre mon signal. C'est pour ça qu'on a intérêt à utiliser un indice de modulation M élevé de la AM. C'est pour lutter contre le bruit, famille. Bon, là, on va terminer avec ça. Le bruit s'additionne, comme le bruit s'additionne à l'amplitude de la AM, l'information est directement touchée par le bruit. Voilà le problème. On va voir le chapitre suivant, la FM. L'information, elle est dans la fréquence. Dans ce cas-là, l'information ne va pas être touchée directement par un bruit de l'amplitude. Donc, la modulation d'amplitude est très sensible au bruit. C'est la conclusion. Bon, on va terminer avec ça, avec le bruit qui est à les avantages et les inconvénients. Bon, les avantages et les inconvénients, normalement, je faut qui compare. Quand on compare avec d'autres types de modulation, on n'a pas encore vu d'autres types de modulation, on va parler de la AM. Donc, parmi les avantages, les circuits simples à réaliser, on va les étudier plus tard. Et non, les avantages et les inconvénients, on va dire à la fin, c'est-à-dire pour faire une conclusion à le chapitre. Parce que je fais ces circuits, on n'a pas encore vu les circuits. Elle est très simple à réaliser là, hein, vous allez voir. Donc, parmi les inconvénients, elle consomme une bonne partie de la puissance d'émission pour transmettre à la porteuse. On a déjà vu ça la dernière fois. Donc, 66% de la puissance va être perdue dans la porteuse, si M est égal à 1. Maintenant, si M est inférieur à 1, donc vous allez perdre plus de 66%. Bon, parmi les inconvénients, le signal utile est transmis deux fois, une dans la LSB et l'autre dans la USB.
Donc, les deux bandes antérieures ferment la même information. Le chien utile, je vais transmettre une fois la bande latérale inférieure, deuxième fois la bande latérale supérieure, et ce qui va élargir la bande passante nécessaire pour la transmission. Bon, on va voir maintenant d'autres types de modulation AM. On va voir deux autres types. Il y a plusieurs. Hein, je vous ai donné généralement les standards de base, si vous voulez. La AM, l'AM pure. On va dire la modulation AM sans porteuse, la modulation à bande latérale unique. Mais il y a d'autres types de modulation, d'autres standards. Donc là, ça dépend de l'application, ce qu'on veut. Voilà, on va commencer par la modulation d'amplitude sans porteuse. La modulation d'amplitude sans porteuse, notée, on va l'appeler AMDSB-SC, ce qui veut dire double sideband, c'est pour cette carrière. Donc, modulation à deux bandes latérales avec porteuse supprimée. Et là, on va l'appeler par la suite, tout simplement par modulation DSB. Tout simplement, on va la noter comme ça, DSB. Exact. Il suffit de dire DSB. Donc, elle consiste à transmettre les deux bandes latérales sans la porteuse. Regardez, la porteuse me fait cette information. Pourquoi je transmets la porteuse? Je ne transmets que les deux bandes latérales. Donc, comme expression, l'expression de A, on donne l'expression d'un signal DSB, pour la AM, je fais la porteuse plus les deux bandes latérales, n'est-ce pas? Donc, j'ai là, l'expression de A, donc c'est AP plus le signal modulant, le tout fois la porteuse, cos unit oméga pt. Donc, quand je distribue, j'obtiens cosinus oméga pt fois b2t et cosinus oméga pt fois ap. Je les parenthèses, il faut que je mette les parenthèses parce que c'est multiplié fois ap. Donc, là, c'est la porteuse. Ou là, il y a le produit, là, ce produit-là, qui me donne les deux bandes latérales. La DSB, tout simplement, je n'ai. Donc, c'est la modulation AM sans porteuse. Donc, je supprime le terme. Là. Il me reste le signal modulant multiplié fois la porteuse directement. Donc, on va le noter comme ça. L'expression de H, elle est donnée par, je supprime ça, par ça. Donc, SDSB, c'est AP fois B2T cosinus oméga PT. Donc, c'est le signal modulant multiplié directement par la porteuse. L'avantage de la DSB, c'est que la puissance de transmission est entièrement dans le style. Je transmets que le signal utile, il n'y a pas de porteuse. Dans ce cas-là, la puissance TA est 100% dans le signal utile. Donc là, on donne le tracé de la forme temporelle de la DSB. La DSB en rouge. L'enveloppe, regardez bien, qui correspond au signal. Le signal modulant, pardon, je répète. L'enveloppe qui correspond au signal modulant, elle est soit en bleu, soit en vert. Qu'est-ce qu'il se dit à MATLAB? Qu'est-ce qu'on remarque? En bleu, voilà aussi en bleu. Hein, comme soit, si en bleu, qui est sur 0 ici, il descend en bas. En bas de là, il y a. Donc, l'alternance positive, tu as le signal positif. L'alternance négative, il devient négatif. Ou le vert, c'est l'inverse. L'enveloppe inférieure, donc c'est quoi? L'enveloppe inférieure, pardon, je commence par l'enveloppe supérieure, et il y a la partie supérieure, toujours, hein? La partie supérieure. Donc là, il y a marra bleu, marra vert. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'enveloppe de signal n'a pas la forme de signal modulant. Le signal modulant en bleu. تحبوا بالفير 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 راهو ملتيبلي فوا موانز راهو انفيرسي اون بلو سي لو سينيال لوي ميم سا سي لو سينيال موديل مانتينو لونغيور سني با لو سينيال موديل ماركي بيان لهنايا لونغلوب سوبيريور ماهوش سينيال سينيزويدال هذا بلو فير ماشي سينيال سينيزويدال
لا دي اس بي لونفلوب تاعها سي با لو سيام موديل، وهذه الاولى. ودوزيامون لا موديلاسيون دي اس بي سو ديستينغ بار ان شونجمون دو فاز ا شاك باساج دو لونفلوب بار لو زيرو. واش معناتها هذه؟ واش معناتها الباساج دو لونفلوب بار لو زيرو؟ لونفلوب هي هذه باغ اكزومبل، الباس بار لو زيرو باغ اكزومبل هنايا ايسي وبيان ايسي وبيان ايسي انسي دو سويت. Mais les zéros, voilà, c'est le signal. À chaque passage de l'enveloppe par le zéro, j'ai un changement de phase. Je m'intéresse au changement de phase là. C'est linéaire. Je change de couleur. Donc, voilà. Donc, changement de phase, c'est quoi? Regardez, le signal éternel, bon, il monte. Bah, il descend. Il descend. Maintenant, il commence à monter. Normalement, il doit faire ça. Comme il est là, d'ailleurs. Regardez, le signal est normalement là. Il monte, etc. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regarde, le signal est positif, mais il devient négatif. Quand il devient négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire le cosinus, comme cosinus oméga pt, c'est le signal. Donc, هذا الكوسينوس طالع هابط بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. دونك هذا البروبليم راهو في البي دو تي هذا. اذا كان بوزيتيف ماشي مشكل. كونت يل دوفيان هذا يل دوفيان نيجاتيف او دير كوا كلش يل دوفيان ملتيبلي فوا ان سيني موا. دونك لو سينيال يتقلب. لو سينيال او ليو كي سوا كوم سا كيما دايرونا بالبلو دونك يل فاتيتر ملتيبلي فوا ان سيني موا. دونك يل ديسون. اون ابل سا ان شونجمون دو فاز. Ça se traduit par une inversion de la phase du signal. Donc, une inversion de pi. Donc, signal, il est montant, en bas, il devient, soudainement, il devient descendant. Alors, il devient descendant. Parce que là, le signal, c'est B de T, il devient négatif. Donc, la phase totale qu'a la DSB, c'est à l'autre. D'accord? Bon, la même chose ici. Donc, il y a le signal, bon, ici, je parle de l'ENAIA. Donc, signal, il est, bon, évidemment, il est montant, il descend. Normalement, on est comme de la même façon, le zéro. Mais non, comme il y a un changement de phase, le signal est à l'autre. Si vous ne voyez pas ça dans un signal dessiné qui me aide, donc ce n'est pas de la DSB. La DSB fait toujours un changement de phase, le zéro. Mais alors, le changement de phase, là. Bon, on va parler maintenant du spectre de fréquence de la DSB. On ne va pas faire comme dans la AM, on va faire ça plus rapidement, c'est la même chose. Donc, le spectre de fréquence par identification contient que les deux bandes latérales. Donc, si nous avons un signal modulant, comme là, la modulation AM nous donne les deux bandes latérales. Qui m'a rappelé, la LSB dit inversée, le spectre est inversé, vous avez la porteuse. Pour la DSB, la porteuse n'existe pas. La porteuse, normalement, elle doit être ici. Elle n'est pas là. Donc, elle est absente. Donc, voilà le spectre de la DSB, tout simplement. La largeur de bande d'un signal DSB est donnée par. Deux fois f max. Qui m'a la AM? C'est rien qui change. Mais là, c'est deux fois f max. Voilà, ça c'est le spectre de la modulation d'amplitude. Bon, il y a un message. Quelqu'un qui dit non. On va faire un exemple, on va prendre un exemple. On utilise le signal là, on l'utilise comme porteuse. C'est le même signal qu'on a déjà utilisé. Donc, soit B2T est un signal modulant, B2T est le module P2T en DSB. Le signal DSB s'écrit. Qu'est-ce que tu veux? C'est un produit direct. Donc, sinus là, fois sinus. Généralement, on met la fréquence cubière à l'autre. L'amplitude est MDB, MDB2, on va écrire le signal modulant, on va écrire le signal. Donc on obtient ça.
n'y a pas plus simple que ça, n'est-ce pas? Si je donne ça l'examen, normalement, quand même, c'est pas. La bande passante, c'est deux fois, F max, c'est-à-dire qu'il y a un signal modulaire, donc un signal qui s'étale entre F min et F max. Sinon, c'est deux fois FB. FB, t'as un alerte, ou 10 puissance par voie. Donc, on obtient 2 kHz. Bon, il n'y a rien de difficile là, avec l'exemple là, c'est un tout petit exemple. Bon, on va parler des avantages et des inconvénients de la DSP. Donc, demande moins de puissance que la AM, car on ne transmet pas la porteuse. Quand je compare ma binette directement, la AM, un exemple là, qu'est-ce qu'on a dit? 66% dans la porteuse. On va parler à 100%, il y a 100 watts. Donc, il y a 66 watts pour la porteuse ou à peu près à 33 watts pour les deux bandes latérales. Maintenant, pour effectuer la même transmission pour la DSB, j'ai besoin que de 33 watts. Les 66 watts, là. Regardez, ils ont mis 100 watts pour la AM, mais 33 watts par pour la DSB. Parce que je n'ai pas besoin de soit transmettre avec les 66 watts, parce que je ne vais pas transmettre la porteuse. L'inconvénient, tu mets la AM, donc vous avez deux fois, vous allez transmettre deux fois le signal utile et vous avez une bande passante qui est égale deux fois la bande passante et le signal utile. Maintenant, il dit, pourquoi on transmet là, les deux bandes latérales? On transmet une seule, n'est-ce pas, cher? Donc, nous avons ce qu'on appelle la SSB. Donc, la modulation d'amplitude est à bande latérale unique. On transmet une seule bande latérale. On la note. Bon, c'est le standard, hein, mais on va la noter que la SSB. Même si tu es bête, c'est moi SSB. C'est le standard, donc tu as étroit, donc AM, SSB, SC. Ça veut dire la modulation d'amplitude. Donc AM, c'est l'amplitude. SSB, c'est single side band. Donc voilà, single side band, c'est ma bande latérale unique. SC, ça veut dire porteuse supprimée. Suppressed carrière. Donc carrière, c'est la porteuse. D'accord. Maintenant, on va noter tout simplement la SSB. Single side band modulation. C'est la modulation à bande latérale unique en français. Qui me donne pour la modulation DSB, on va donner la définition et l'expression Taha. Donc, déjà, elle consiste à supprimer la porteuse et une des deux bandes latérales. Il y a deux bandes latérales, supprimer l'ADA. Regardez, on n'est pas en train de dire on envoie une seule bande latérale. Je supprime la porteuse et je supprime une des deux bandes latérales. Maintenant, comment réaliser la SSB par la suite et des manchevoies des circuits? Bon, on ne transmet qu'une seule bande latérale. Si la bande inférieure qui est transmise, on a deux cas. Je peux transmettre soit la bande inférieure, soit la bande supérieure. Soit la bande, bon, on va dire la bande, soit la bande supérieure, soit la bande supérieure. Bon, normalement, on ne peut pas descendre, c'est la même largeur de bande. Soit elle est avant FP, soit elle est après FP. Donc, si la bande inférieure qui est transmise, on dit qu'il s'agit d'une modulation à bande latérale inférieure. En anglais, on a la LSSB pour lower, single side band. Sinon, ça sera la USSB pour modulation à bande latérale supérieure. Donc, c'est upper, single side band. On vous donne les deux expressions. Tu as la modulation SSB à bande latérale supérieure et à bande latérale inférieure. J'ai inversé les deux signes. Bon, faites attention. Mais si maintenant la bande latérale inférieure, ça veut dire c'est signé. Vous pouvez faire, si vous remplacez B2T par un signal, par exemple cosinus, vous pouvez démontrer que c'est l'expression de la USSB. Donc, la LSSB avec un signe plus,
ولا اي اس اس بي سير سينما كوريجي عندكم في الكور ثانية مش غلط سير ميم ايرور عم يلعب لي فات كانت كاينه وما نسيت باش كوريجيها فوالا هنا سير سينما شاك فون دو يزيد اليوم فكروني بعد ما فكروني شويه ننسى والايرور مريح فوالا لا اي اس اس بي افيك ان سينما لا ال اس اس بي افيك ان سيني بلس C'est 1 demi B de T cosinus oméga PT plus phi plus 1 demi B prime de T sinus oméga PT plus phi. Regardez, vous la remarquez, vous notez que la porteuse là, entre là et là, elle est inversée en phase. Vous avez une inversion de phase. C'est quoi B prime de T? B prime de T, c'est un signal inversé en phase par rapport à B de T. B prime de T, c'est B de T, c'est le même que B de T, mais avec une phase de pi sur 2. Même année, la phase, c'est pi sur 2. Ça veut dire, entre la partie ou la partie, vous avez une différence de phase à pi sur 2 pour le signal modulant et pour la porteuse. Quand vous inversez un cosinus avec un pi sur 2, vous obtenez un sinus. La même chose pour un signal B de T. Vous l'inversez par un pi sur 2, vous obtenez un autre signal, maintenant, approche, similaire à B prime de T. D'accord. Voilà, ça c'est là, SSB. B prime de T, c'est B de T avec une phase de 90 degrés. Bon, fait le maths, on ne va pas faire ça. Fait le maths, on le calcule avec la transformée d'Hilbert. Bon, c'est en dehors du programme, on ne va pas étudier ça. La transformée d'Hilbert, ce n'est pas notre objectif. Même les exemples, là, on va prendre B de T comme soit un sinus, soit un cosinus. Qui connaît comme cosinus, c'est un sinus, B'. Avec un B de T sinus, bon, il y a un cosinus. Avec un B de T cosinus, B', c'est un sinus. C'est l'inverse. Une autre remarque, il y a un demi-manche vraiment nécessaire. Ça, c'est des mathématiques. Donc, quand même, un demi. On peut dire facilement B de T cosinus, oméga PT, moins B' sinus, carrément. Bon, voilà, ça, c'est l'expression de la SSB. On va voir le spectre. Kif kif, le spectre à la AM. Je commence par le spectre de la AM. Donc, j'ai les deux bandes latérales. Donc, la bande latérale supérieure et la bande latérale inférieure et la porteuse. Maintenant, je supprime la porteuse, j'obtiens la DSB. Je supprime la bande latérale supérieure, j'obtiens la LSSB. Donc, ça, c'est un signal SSB. Donc, ce mot-là, LSSB. Maintenant, quand on demande, je demande maintenant de me calculer la bande passante à un signal SSB. Donc la bande passante à la largeur de bande d'un signal LSSB, c'est F max moins F min. Donc c'est le signal, le point moins le point. Donc c'est FP moins F min moins FP moins F max. Ça nous donne F max moins F min. Il y a F max moins F min. C'est la même largeur de bande que le signal modulant. Donc ça, c'est l'optimisation, le kbira on ne peut pas avoir moins que ça. Comme un signal modulant, vous avez un signal modulant qui a une largeur de bande, par exemple, B, la modulation SSB, le signal SSB, sa largeur de bande est à B, carrément. En DSB, c'est à peu près, bon, c'est à peu près, c'est 2B. En AM, c'est 2B. Donc là, 1,5. Il y a exactement la largeur de bande d'un signal SSB. On ne peut pas voir mieux que ça. Hein. Bon, pour la USSB, c'est ce signal-là. Donc ça, c'est un signal USSB, où on supprime la bande latérale inférieure et on supprime la porteuse. La bande passante, il y a toujours un F min moins F max. Donc c'est ce point-là moins ce point-là. Ça nous donne F max, pardon, c'est F max moins F min. Hein, F min moins F max. Donc ça nous donne F max moins F min. Il y a la même largeur de bande à le signal modulant. Donc, qui m'a la USSB, qui m'a la LSSB, la largeur de bande est à B. Bon, vous allez me dire peut-être pourquoi un khair wahda fi ou la khair kif habitou. Donc, il y a généralement machine mahbina. Donc, la modulation, comment on choisit une modulation SSB, ça dépend du standard, لازم شلون تفهمه. دونك هنايا قال فوالا عندي ما بلاش هنايا راني عندي ان ستاسيون تاع تيليفزيون اي جو فو يوتيليزي لا اي اس اس بي لازم السيد اللي مريح في دارهم يكون عنده في التيليفزيون تاعو ان دي مودولاتور اي اس اس بي
دونك اذا اللي يبيعوا لي تيليفزيون اللي يخدمهم يبيعوهم يبيعوا لي تيليفيزور افيك بون اون ابل سا تيليفيزور دونك يبيعوا دي تيليفيزور افيك دي مودولاسيون ال اس اس بي ما نجيش انا قال فوالا انا نيمبوزي لا لوا تاعي قال انا نخدم بلا اي اس اس بي تي واحد واحد ما يشوفكم بعد دونك انا كاين دي ستوندار نفهموا عليهم الافونس قال فوالا لا نورم هذه شتي اسمهم دي نورم لا نورم هذه دونك سي لا ال اس اس بي دايره هكذا دايره هكذا دايره هكذا دونك فوالا كيت ريبونس à cette question, il y a quelqu'un qui a. On va prendre un exemple. On utilise un signal P2T comporteuse, c'est toujours le même signal. Ça, c'est un signal modulant. Ça, c'est le signal modulant qui va moduler P2T en USSB. Le signal USSB s'écrit. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on multiplie P fois B. On a USSB, hein? P fois B, but vous avez B' les houa le signal avec donc une phase de pi sur 2 ça nous donne cosinus entre parenthèses fois le signal avec la phase de pi sur 2 ça nous donne un cosinus avec ce qu'il y a entre parenthèses bon si vous allez utiliser les 1 demi donc le 1 demi ma 2 là il va عندكم ان دومي بي وان دومي بي بريم ما بين هذا لي دو تيرم هذو vous avez un signe moins pour la USSB وهنا كيف 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 un signe moins sinon عندكم ان دومي ان دومي fois donc fois le 2 donc راح تلقى عندنا هنا 1 وهنا 1 donc sinus الاول fois sinus deuxième هما P2T fois B2T cosinus هذا c'est ça avec une phase de pi sur 2 fois le deuxième cosinus donc ça veut dire ça avec une phase de pi sur 2 en LSSB bon, la bande passante déjà la bande passante à signaler va être quoi regardez regardez comme f max moins f min mais maintenant c'est f max moins f min on a une seule fréquence on va prendre directement discussion sur 3 mais zéro telle discussion sur 3 on va la prendre comme bande passante bon exemple rien à dire علاش باسكو في لا رياليتي كي نقولوا بوند باسونت انا في لا رياليتي اون ترانسميت ان سينيال ديجا اللي عنده اون بوند باسونت من نيمبورت كان سينيال كون دو ترانسميت الاوديو لا فيديو ما على باليش دي دوني هي توجو اون بوند باسونت حنا في ليكزومبل هذا اون ابري ان سينيال اللي عنده اون فريكونس اونيك اللي هي 10 بيسونس 3 ان سينيال سينيزويدال سي با دو لا براتيك مي هنا جوست بور دوني ليكزومبل باسكو علاش ما نقدرش نعطيكم ان اكزومبل فيه ان سينيال ريال نقول لكم كتبوا لي هذا كتبوا لي الاكسبريسيون تاعو صرا تري ديفيسيل الفو قلت لكم انا عندكم بي بريم هو لا ترانسفورم ديلبرت ما قريناهاش سي اون دور دو بروغرام ما يهمناش حنايا هي سونسي تفهموا شنو على اساس بي برك دونك اون بو با فير سا مي دون لو كا هذا نقدر نقول لكم كاكي لا بون فاسون مي مينتونون في ليكزومبل لي كو جو دون لهنايا je peux calculer la bande passante pardon je peux calculer je peux écrire l'expression de signal oui voilà mais la bande passante elle devient quelque chose de bon, pas vraiment précis hein. Un signal fréquentiel une seule fréquence je peux pas dire qu'il y a une bande passante de 1 kHz donc il y a le point d'interrogation je suis en juste un exemple qu'est-ce qu'il y a de la bande passante sinon le signal est là on va voir maintenant là LSSB. LSSB, elle signe moins ou elle signe plus. Voilà. Donc, elle a comme un plus, je suis moins. Ça, c'est un plus, l'inverse. Un plus, je vais corriger tout ça. Ça, c'est un plus. Bon, la bande passante. Alors, voilà, un petit exemple. Maintenant, comme avantage, vous allez me dire la SSB. Il y a quand même des avantages. Je vais vous débrouiller là. Donc, le rendement en puissance, c'est 100%. Déjà, on peut débrouiller la DSB. Allez, parce que la DSB, la puissance est maximale entre deux bandes latérales. Une seule bande latérale, il fait quand même la puissance de la signal. On peut dire ça. Toute la puissance est utilisée pour la transmission d'informations. La largeur de bande, il y a 1/2 de largeur de bande à la AM ou 1/2 de largeur de bande à la DSB. Donc, est égal à la bande passante, elle est BWB, maintenant la bande passante, elle signe un modulo, hein, LB, petit B, c'est aussi un modulo. Donc, il y a un petit
Si vous avez un modulant qui a une bonne passante à 10 kHz, la transmission TAO en DSB demande 10 kHz. Bon, l'inconvénient, on ne peut pas le voir tout de suite. Circuit compliqué, on va voir ça plus tard. Bon, voilà les trois principaux, les trois modulations AM de base, je dis bien de base, parce que il y a toujours des standards. Bon, on ne va pas quand même étudier les standards, hein, parce que, bon, il ne faut pas que les modulations de base, le Barré et le Kemangolo, sont des modulations qui se dérivent, mais les modulations. Hein, comme exemple, la télévision, par exemple, on doit transmettre la vidéo. Je mets la vidéo sur la succession des images. En plus, la vidéo de Shia fait un son, fait un audio. Il dit, ah, mais est-ce qu'il y a des vidéos? Bon, allez, je vais appeler vidéo avec les images. Donc, on doit transmettre la vidéo allez, et le son. Maintenant, son, je peux le transmettre en AM, il n'y a pas de problème. Allez, parce que la bande passante TAO va. Généralement, pour la télévision, on utilise la FM. Vous allez voir par la suite, parce qu'on a une meilleure qualité. De côté. Maintenant, pour la vidéo, la transmission en AM standard, la vidéo, on a tout d'abord une large de bande. Je parle de la vidéo analogique, ou même la vidéo numérique. Même pour la vidéo numérique, ils ont toujours la compression, donc les normes chez Finhomme, MP4, bon, c'est MPEG-4, l'énorme hello. Donc, ça permet de compresser la vidéo sur le numérique. Genre, au lieu la bande passante, comme par exemple 20 MHz, la compression n'est que 5 MHz. Voilà, tous les chiffres de 5 MHz, même ça, si vous avez, par exemple, une vidéo, la bande passante est à 6 MHz. Donc, généralement, c'est la norme du connecteur mobile. Mais c'est la télévision analogique d'Algérie. Vous êtes chez la maman. Demandez 6 MHz. C'est la norme PAL. 6 MHz en AM, ils ont mené deux fois la bande passante. Donc 12 MHz. 12 MHz, c'est bien. La télévision, on ne cherche pas à transmettre une seule station. C'est bien. Bon, je sais que maintenant, l'Algérie, il y a une quinzaine de wahda. تاوين غير ما بزاف لهم في الموند اللي عندهم على باليش انايا 20 30 وراح يديرهم اون فرونس ديجا دو وقت كانوا كاين خمسه بدا مشاكل باسكو ديجا لي ستاسيون هادو مقسومين اونت لي بيي لي فريكونس مقسومين اونت لي بيي شو عندكم عندكم لهنايا ان سيرتان دومين دو فريكونس من هنا لهنا قال فوالا هذا سي بور لالجيري هنايا باش ما يتخلطوش جامو ديالو هذا سي بور لا تينيزي ومن بعد هذا سي بور لالجيري هنايا الغرب ما داش عليهم ومن بعد لاتينيزي لالجيري بون فوالا كوم سا حنايا ماكسيموم راح يصحونا شحال وحده زوج واحد تروا ستاسيون برك هنا سي لا شين اون تاعنا كانال الجيري تروا وخيم راح نديرهم مشكل دونك عندنا ان دومين دو فريكونس تري ليميتي لازم نقسمو اونتر لي زيميتور هذو Donc, on n'utilise pas la AM pour la transmission de la vidéo. Donc, pour optimiser l'espace de fréquence, la télévision, on a utilisé. Parce que là, c'est quand même mal. Mais les pays d'Afrique ou les pays du tiers-monde, l'analogique. Donc, on a utilisé, on avait utilisé la modulation SSB. La modulation SSB, donc, on transmet. Une bande latérale. Le muscle, c'est quoi? Le muscle, c'est la démodulation. La démodulation SSB, elle est un peu difficile. Vous savez, la télévision, vous êtes sûr que c'est la télévision. La réalisation d'un démodulateur SSB, ça demande d'électronique, transistor, circuit intégré. Pour simplifier la démodulation, on ne transmet pas qu'une bande latérale, par exemple la bande latérale inférieure. Mais on transmet une partie de la porteuse qu'on appelle une modulation SSB avec porteuse réduite.
اون اونجلي وقيله في اس اس بي كيسكو سون ماشي في الاسم تاعها بورتوز ريدويت معناتها اولي دو ترانسميتر 100% دو لا بورتوز تبعث غير واحد 20% من لا بورتوز تبعث سيان ديال كيما هكذا فيه لا بون داتيرا انفيريور مع اون بورتوز صغيره هذا بورتوز صغيره راح تعاونك في لا دي موديلاسيون بار لا سويت هذا لا موديلاسيون احنا ما قريت لكمش الكور تاعي يعني انا قريت لكم الاس اس بي لا ام ما كاينش ما قريناهاش هنا مي سا اكزيست حبيت نفهمكم باللي كاين دوطا موديلاسيون كي سو ديريف دي موديلاسيون هادو سا دي بارتاج Oui, vous avez un exemple, vous avez, pardon, une question? Monsieur, le partage, va. Non, monsieur, Marache. Bon, on a un dit normalement. Vous n'allez pas, vous n'allez pas avoir les autres. Je vous vois que... Si, monsieur. Oui, maman. Oui. Monsieur, Marache, le partage. Attendez, apparemment, résume... Non, monsieur. Comme ça? C'est bon, monsieur. Oula, merci. Ah, très bien. Bon, voilà, je vais vous dire qu'il y a d'autres types de modulation. On ne va pas les voir plus court. Là. On a les trucs principaux. Mais il y a toujours des normes. Bon, maintenant, la modulation, amplitude, shift, keying, très très grave plus court. Mais je trouve l'examen, là, donc ça, c'est juste entre parenthèses, c'est la modulation AM numérique. La ASK. Vous allez voir ça en troisième année, deuxième semestre, Inch'Allah. Module communication numérique. On a juste, j'ai donné ça. Quand on dit le Wordaman, il y a un petit peu de quoi il s'agit. Sinon, donc, je ne fais pas ça. Ça, c'est la modulation numérique. Un signal module numérique. Ça, c'est la porteuse analogique. Le signal AM, il a habité, le signal ASK, il est là. Si vous remarquez bien, il y a. La variation, je pense qu'on sinusoïdale ou aléatoire, je crois, à la réception d'un module. La variation, je crois qu'il y a des impulsions ou des trucs, soit un niveau haut ou un niveau bas, suivant le signal module. Bon, je ne vais pas faire ça. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours, de ce chapitre, les circuits de modulation d'amplitude. Bon, je fais trois types de modulation. Maintenant, on va voir comment générer ces modulations-là. Bon, ce qu'on va faire dans le cas, c'est difficile, mais ça demande plus d'attention à la hausse. Ce que vous avez déjà, c'est de certaines façons, donc on va parler un petit peu des circuits. On va commencer par... le modulateur AM avec composant non linéaire. Je te fais un mot, je ne vois composant non linéaire. Je t'arrive, je ne vois composant non linéaire. C'est n'importe quel composant, généralement, il y a une fonction non linéaire sur l'électronique. Les transistors, les diodes. Bon, on va voir ça plus tard. Mais avant, je vais vous donner, on commence par le principe de fonctionnement de ce modulateur-là. Le principe de fonctionnement, on a un composant soit bien défini. Le principe de fonctionnement, il est général. On va parler avec le schéma bloc. Un modulateur à composant non linéaire se compose d'un sommateur de tension, un sommateur qui me donne l'ensemble, qui effectue l'ensemble, tu as le signal modulant B2T et la porteuse P2T. On obtient un signal S1, les B plus P. Nous avons un composant non linéaire. Pour l'instant, on se met un schéma sur une case qui est derrière. On se met le CNL. CNL, c'est composant non linéaire. Qui a une fonction de transfert de cette forme-là. Le X, ou à l'entrée, ou le F de X, c'est à la sortie. L'entrée, c'est S1, ou la sortie, est S2. Donc, normalement, je peux écrire S2 est égal à A0 plus A1 fois S1 plus A2 fois S1 au carré. Il y a une manette à la fonction. Et finalement, nous avons un filtre. Par la suite, on va voir de quel type de filtre on doit utiliser pour obtenir la A1. Maintenant, le signal à l'entrée du composant non linéaire ou S1 de T qui est égal à B plus P. B plus P, c'est la sortie de sommateur.
le signal à la sortie du composant non linéaire s'écrit donc règle f de x hier. Bon, avec mon qui a juste constante là, a0, a1, a2 sont des constantes. Hein. Donc je remplace x par s1. Donc s2 ou a0 plus a1 s1 plus a2 fois s1 au carré. Tu vas bien que c'est moi. Maintenant, on remplace s1 dans s2. Ça veut dire l'expression de s1 hier. Je vais le mettre là ou là. J'obtiens ça. Je calcule ce terme. J'obtiens ça. C'est-à-dire A0, A1 fois B, A1 fois P. Même bad, le terme avec, il me donne A2 fois B au carré, A2 fois P au carré et 2 fois A2, B fois P. Minja, regardez, c'est le minja. J'amène. Voilà, il vient d'ici. B plus P au carré. Ça me donne B au carré plus P au carré plus 2 fois P fois B. Tu peux faire 2 fois P fois B. Parce que là, ça va. On kimmel. Le filtre, regardez. Là, c'est le résultat à signaler. Maintenant, on sort le filtre. Je dois filtrer quoi et laisser quoi? Le filtre ne doit laisser que la porteuse et les deux bandes latérales. نشوف سيان تاعي هنا وين راهي لابورتوز لو دو بون لاتيرال دون سو سينيال لا باش ما نخسر لكمش لا فيزيون تاعكم جو سيبريم تو regardez a0 c'est une constante b multiplié fois a1 a1 c'est une constante mais les constantes a0 c'est عليهم كامل لا b c'est le signal module هذه c'est la porteuse voilà la porteuse هذا le terme هذا b au carré c'est le signal module au carré, c'est-à-dire comme un signal les endo deux fois la fréquence d'AB. Parce que cosinus au carré oméga, c'est cosinus deux fois oméga plus 1. Le tout divisé par 2. La même chose là, j'obtiens cosinus deux fois oméga P. Et ça, c'est quoi? B fois P. Je vais dire B fois P, je vais vous là. B fois P, c'est les deux bandes latérales qui m'ont la DSB. La DSB, c'est quoi? B fois P. La AM, c'est quoi? C'est B fois P plus le P. Donc, j'ai besoin de quel terme? J'ai besoin de ce terme-là pour faire, là, pour obtenir la AM. J'ai besoin de ce terme-là, le P, et le dernier terme. Là. Et je dois éliminer هذا, ou هذا, ou هذا, ou هذا, avec ce filtre-là. هذا هو le principe. قبل ما نكمل, avant de continuer. هذا هو le principe. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout le modulateur. Donc, ah oui. Je fais la somme d'abord, tu as le signal modulant avec la porteuse. P plus B. But, j'use le signal, les P plus B, dans un composant non linéaire. Le composant non linéaire, c'est une fonction qui contient L de carré. L de carré, il me donne quoi? Il me donne le produit à la porteuse fois le signal modulant. Même bad, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer tous les termes à part le terme de le produit, ce qui constitue les deux bandes latérales, et la porteuse. J'obtiens la modulation A. C'est le modulateur le plus simple pour la AM. Allez, c'est plus simple. Bon, actuellement, vous allez voir FTP. FTP, vous allez utiliser un circuit intégré, lire directement le produit. Mais le circuit intégré, bon, vous allez voir déjà demander l'alimentation maintenant. Le circuit intégré, ce n'est pas la chose la plus simple qui existe. Il n'existe pas dans la nature comme ça, un circuit intégré qui fait le produit, la somme, etc. Mais par contre, Andela, les composants. Posons simple, transistor, diode. Donc l'idée l'oula, les djinns dans le cerveau pour exécuter, pour effectuer la modulation à 1, c'est d'utiliser les composants les plus simples, les diodes et transistors. Donc là, il suffit d'utiliser trois résistances pour le sommateur, un transistor ou une diode pour le composant non linéaire,
ان فيلتر تعرفوه ان فيلتر ار سي ولا ار ال ولا وخلاص يوزابي ام موديلاتور شلون السيركوي انتجري هذاك هذاك يعطيك اكزامبل ثاني راك تتلاوح كيكو في الصحراء هكذا ما عندكش السيركوي انتجري هذا ممكن وزاري فيها لا موديلاسيون بون اي بوكو بلوس سامبل دو رياليزي لا موديلاسيون افيك افيك سا افيك دي سيركوي دي كومبوزون سامبل كي اكزيست بارتو بون كيما دوكا ليدي هذه مسيو وي مسيو بوركوا اون ا سوبريمي ا دو بي دو تي او كاري مانيش نسمع مليح مسيو بوركوا اون ا سوبريمي ا دو بي دو تي او كاري واش نديرو بهم لا ام وراي لنا لا ام سي لي دو بون داتيرال سو دير لو برودوي تاع لو سينيال موديلون هذا هو لا بورتوز اي لا بورتوز هي لا ام اخي سي باغ اكزومبل كوسينوس اوميغا بي تي ا بي كوسينوس اوميغا بي تي بلس بي دو تي فوا كوسينوس اوميغا بي تي عاودوا شوفوا ليكسبريسيون لا فورم تاع لا ام هي لا ام دونك سا هذا هذا لو تيرم نصيبوه لهنايا وهذا لو تيرم نصيبوه هنايا لو ريست ماشي داخلين في لا موديلاسيون امبليتيود جو دوا لي سوبريمي جو دوا لي زيليمي خلينا نخرجوا داكور بون فوالا ما تبع مازال ما كملتش انا كل حال وزاري راني تفهم باسكو مازال ما كملتش ليدي حبيتكم توصلوا للريزلت معايا ما انا فوالا سويت فوالا دونك ريغاردي اون دوا غاردي لي دو تيرم هذو ما لا سي جو غارد مينتونون سي جو غارد سي دو تيرم voilà l'expression le signal devient comme ça je te fais une autre chose d'autre mais la am marche تخرج exactement comme la théorie où il عندي ap plus b le tout fois cosinus omega pt quand on utilise l'électronique avec c'est des maths je trouve شفنا avant c'est des maths maths pure maintenant هنا دوك الالكترونيك quand j'utilise l'électronique donc les composants تاعي يدخلوا في لي ريزولتا donc j'obtiens un signal comme هذا d'abord au signal تاعي si je filtre شي جو فيتر الزوج هادو يخرجوا منا انا هنا تبعوا الفليشه الزرقاء هذه لا فليشه هذه راني لهنايا شي جو فيتر هاد لي دو لي دو تيرم وهادو يروحوا اليمينهم لو فيتر دونك جوبتيا صح جوي كرير صح سو لا فورم اللي نعرفها ديجا نخرج بي دو تي اون فاكتور فوالا ومن بعد بور اوبتونير ان ان ايسي جو مي واش كاين لهنا اون فاكتور كان عندي ا ان نجبد ا ان يبقى هنا A2 sur A1 هنا pour avoir avec la forme تاع M plus M fois cosinus de tout fois P2 وهنا AP donc par identification A1 هذا هو AP تاعنا l'indice de modulation لهنا اللي يقول لي l'indice de modulation هو 2 fois A2 sur A1 راهو غلط l'indice de modulation c'est 2 fois A2 sur A1 fois l'amplitude تاع P2 d'accord voilà donc ça c'est la donc vous avez remarqué là hein parce que bizarre il y a pas les idées je ramène un exercice qui m'a aidé calculer l'indice de modulation je dis a b sur a b donc ça veut dire que tu vas jamais faire quoi le voilà mais je le habs dans la première partie du cours non l'indice de modulation là c'est a b sur a b une fois que j'utilise un circuit électronique l'indice de modulation on le jette de là on le jette de l'histoire هذه donc on le jette de la modulation du modulateur l'indice de modulation là c'est 2 fois A2 sur A1 fois le maximum ou la fois l'amplitude de B2T là. Et là qu'un B2T un signal sinusoïdal l'amplitude de A est AB, l'indice de modulation devient 2 fois A2 fois AB sur A1. Maintenant ça dépend de A2 A1 واش نعم. يقدر A يكون 1. A2 يكون 1 par exemple et dans ce cas-là j'obtiens 2 fois AB. Exemple. Bon, maintenant, je continue. Comment je peux filtrer alors? Bon, on obtient un signal AM à la sortie. Très bien, là, ça donne AM. Prenons un exemple. Est-ce qu'on peut filtrer le signal? Comment? Où je mets le filtre? Quel filtre je peux utiliser? Parce que là, jusqu'à maintenant, on a déjà le filtre. C'est-à-dire, quel type de filtre? On a dit, bien, on va filtrer. Mais est-ce qu'il y a un filtre qui peut utiliser l'AM? Mais pour cela, on doit utiliser un signal réel. كان على غالب باش دوا يتيليجي ان سيان ريال كيما هذا سيان موديلون لو سينيال بورتوز باغ اكزومبل هو هذا سا سي لا بورتوز جوبتيان سا هنا ما عاودش ندير لي كالكول تقدر تعاودهم وحدكم دونك رومبلاسي بي بار سا رومبلاسي بي بار سا ليكسبريسيون هذه
expression هذه. Faites vos calculs, vous trouvez, ça. Donc, on a en vert, c'est B2T. Le bleu, il y a la porteuse. Là, non, non, non. En vert, c'est. Pardon, on est en vert, c'est le premier terme. Il fait A1 fois X. En bleu, c'est A2 fois X au carré. En bleu, c'est A2 fois P plus B le tout au carré. Regardez. Donc, avec le produit, il y a un produit. Il y a les deux mandats. Il y a le qui tu vous signale, tu vois que là, il y a deux mondes latérales, c'est cosinus oméga P ou cosinus oméga P. Ça vous donne 1 demi cosinus oméga P plus oméga B et 1 demi cosinus oméga P moins oméga B. Les deux mondes latérales, ils ont le carré avec. P plus B, le tout carré. Maintenant, bon, madame, vous l'avez dit, j'ai besoin de quel terme? J'ai besoin de Hela, le terme que j'ai surligné, souligné, et la porteuse de Hela. Je dois éliminer ça, ça et ça. Bon, mais avant, on va calculer les deux termes. Donc, les carrés, les carrés. Je vais dire le spectre. Pour faire le spectre, je vais mettre des carrés. Bon, je vais donner un chapitre, la série 1, par exemple. Donc, là, y a, et on a. Mais très rare, supprimé, voilà. Donc on a mis les termes par ordre de fréquence, mais je ne sais pas ordre de fréquence, mais artebnam à peu près comme ça. Donc on commence par la composante continue. Maintenant, là, c'est le signal mobile, au niveau là. Maintenant, cosinus deux fois oméga b, juste maintenant, c'est cosinus deux fois oméga b plus A2 sur 2, cosinus 0. Bon, A2 sur 2 fois AB, cosinus 0. Donc, A2 sur 2 fois AB, voilà le terme. Ou cosinus 2 fois oméga B, la même chose pour le terme. Il vous donne cosinus 2 fois oméga P, multiplié fois, bien sûr, fois les amplitudes, divisé par 2. Donc, là. Et A2, AP sur 2. Donc, le terme l'écrivait déjà. Il prend la barque Hela. Donc, Hela, c'est les deux bandes latérales. Donc, on obtient ça et ça. Maintenant, le 2 Hela, il y aura 1,5. Cosinus fois cosinus, c'est 1,5. Cosinus, la somme, 1,5, cosinus, la différence. Bon, je vais vous dire, par exemple, à deux calculs, le passage, je vais vous dire, c'est le fait. Bon, maintenant, je vais faire le spectre de Hela. هذا كان سينيال هذا تنساوش هذا السينيال سي راهو جوست ا لونطري تاع لو فيتر انا هنا اس 2 اون شيرش كيل تيب دو فيتر جو دو ايتيليزي دونك جو في هذا السينيال جو في لو ميتر سو لو سبيكتر فوالا جو كومونس بار ا 0 بلس ا 2 ا بي سور 2 بلس A2 AP sur 2, ça veut dire head de terme. Head de camel, il me donne la première ray. Même bad. On dit FB. FB, elle traduit le spectre de head. Même bad. Deux fois FB. Elle est par ordre, faites attention. Même bad. La porteuse, il y a FP. Même bad. FP moins FB. Même bad. FP plus FB. من بعد la fréquence كبيره كامل هي 2 fois FP. جماعه وراي la modulation d'amplitude هنايا كيس كون هادي on doit garder هذا لو تيرم وهذا وهذا هذو لي دو بون لاتيرال اللي كانوا مقبله كاتبينهم سو فورم دو برودوي اي لابورتوز لابورتوز اللي هي هذه هذه وراي la modulation d'amplitude هنايا هاي لي دو بون لاتيرال بلس لابورتوز كيل تيب دو فيتر جو دو ايتيليزي. Un filtre qui doit laisser passer ce qui se passe ici, il doit éliminer, là, il doit éliminer les trois termes. Quel type de filtre? Est-ce que j'utilise un filtre passe haut? Non. Allez, je passe haut. Par exemple, il y a du donc il y a du passe bas. Ça met du passe bas, bien sûr. On doit utiliser un passe bas. Là, j'en ai comme que tu as type de filtre, donc c'est un passe bas. Ok, là, là. On va utiliser un filtre passe-bande. Le filtre passe-bande, il va laisser passer que les termes.
وعندنا زهر. ايماجينيكو عندنا ان تيرم انديزيرابل هنايا ولا هنايا، باسكو كا لا لا تاش ديفيان بلو ديفيسيل. بون اوريزمون ميم اوريزمون جامي يخرج ان تيرم فما، اوريزمون لي تيرم اللي ما يسحقهمش جايين اكوتي سوا منا سوا منا. دونك لا موديلاسيون ا ام جي في الوسط جو بي تيليزي ان فيت باس بوند اللي عنده ابوبري لا ميم لارجور دو بوند كو لا ام، ما يكونش ان فيت باس بوند جاي هكذايا نو، ما يكونش ثاني جاي هكذا باسكو فوز علي اليميني لي بون لاتيرال نو. دونك ان فيت باس بوند اذا لا ام تاعكم لا بون باسون تاعها هي اكزومبل 10 كيلو هرتز، جو برون ان فيت اللي عنده اون بون باسون دو 15 كيلو هرتز ولا 12 ولا جو دوا ليسي لا مارج كو ميم داكور. فوالا، وعلى هذا ثاني مليح لا بورتوز تكون بعيده على سي ام موديلو، كل ما تكون بعيده كل ما هذا ديستونس تكون كبيره وكل ما لا موديلاسيون ولا دي موديلاسيون تكون بلي فاسيل. Voilà, je m'entends un modulateur avec composant non linéaire. Vous avez fait tout ce que le reste va être très très simple. Bon, le reste va être très simple. Le reste, vous avez, par exemple, on parle maintenant des circuits réels. La diode. Ça, c'est la caractéristique de la diode. Courant, tension. La caractéristique... courant tension est donné par ça. I0 exponentiel une constante fois V. La constante elle est nommée alpha. Mais elle est belge, je suis dans le premier semestre. Peut-être V sur V de type de transistor, la tension thermique. Bon, c'est une constante alpha dans la diode fois V. V c'est la tension au bord de la diode. Moins I0 c'est le courant de saturation. Maintenant, pour des faibles tensions, tu peux me dire que tu as fait la non-linéarité. Donc, c'est non-linéaire. Maintenant, pour des faibles tensions V, il est possible d'utiliser l'approximation polynomiale exponentielle X est égale à peu près à ça. C'est des maths. Si X faible, donc V, V est égal à X. Si X faible, mathématiquement, pour le maths, il y a l'exponentielle x est égal à peu près à 1 plus x sur 1 factoriel plus x carré, etc. Donc, i de v, i de v, il devient à peu près à i0 alpha v plus 1 demi i0 alpha au carré v au carré. Le x, c'est x soit alpha fois v. Donc, je remplace x par alpha v. Et bon, le I0 à la barre, j'obtiens à l'expression. Là, je vais faire le deuxième terme. Le 1. Le 1 est normal. Le premier terme, c'est X sur 1 factoriel. Donc, c'est X. Donc, X soit I0 alpha V plus 1 demi X au carré. 1 demi I0 fois alpha au carré V au carré. X3 ou X4 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 ou faible. Regardez, il y a un V faible. Est égal, exemple là, est égal à 0,1. V au carré, va être 0,01. V puissance 3, 0,001. Regardez le terme, il devient négligeable devant ça et ça. On peut faire facilement, mais on peut faire ça. Mais généralement, ce qu'on fait, l'électronique, la modulation, on va dire, c'est une approximation, on va dire, on suppose que la fonction non linéaire est à la diode. La diode, elle se comporte comme ça, avec X ou A, ça. Donc, le courant est à la diode. La région, tension faible, ça veut dire la région, la diode, généralement, elle est linéaire ici. Elle est linéaire. Mais là, il y a des petites tensions, donc, le courant, en fonction de la tension, il s'écrit comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais de circuit, c'est-à-dire réellement? Bon, déjà, on peut utiliser, il est possible d'utiliser la diode comme composant non linéaire. Regardez, ça, c'est un sommateur. On va étudier ça, Inch'Allah, on va, en un exercice où on va calculer la tension, en fonction de cette tension et cette tension, on va démontrer que pour la sortie, on obtient la somme. Pour l'instant, on voit comme directement, c'est un sommateur. Donc,
Le point C, là, nous avons la somme des deux tensions, PB. La tension est appliquée au bord de la diode. C'est une tension V, est appliquée au bord de la diode. Si j'ai la bonne valeur pour V, tu sais, V est une faible. Faible, généralement, c'est la tension qu'à 1 volt à grec. On ne doit pas dépasser 1 volt. Maintenant, pour ces tensions faibles, ce qui se passe, vous avez un courant I de V qui passe là. I de V, c'est ma I en fonction de V. La forme TA, comme ça. Voilà, comme ça. Ça, I0, c'est une constante. Alpha, c'est une constante. Les deux sont des constantes de la diode. Donc, regardez, ce que tu veux d'ailleurs. A1 fois V plus 1,2 mètre. Même 1,2 mètre, ça doit faire A. Donc, plus A2. A2, il y a 1,2 mètre. I0, alpha au carré. Fois V au carré. Ça, c'est le courant au bord de la diode. Donc, I en fonction de V au carré. Maintenant, là, vous avez un courant I de V. Voilà. Un courant I de V qui est non linéaire. Voilà. La diode joue le rôle d'un composant non linéaire. Le filtre élimine les composantes indésirables. Donc, comme un courant I de V, la réconfère Kem, et voilà, Kem, les termes. Kem. Un courant, mais j'ai tension, un courant I, voilà. Le courant, le P ou le B, etc. On va éliminer les composants de sa courant le filtre. On va regarder la modulation d'amplitude. Le filtre, voilà, c'est un filtre LC. C'est un filtre passe-bande, LC, simple, très très simple. C'est comme ça. Regardez, le circuit, dans la modulation AN, comment il est, très, il peut, comment, il est, comment il peut être très très simple. Une diode, trois résistances, une self, un condensateur. Bien sûr, le résultat marche très très bien, c'est-à-dire la modulation un marche en très bonne qualité. Donc, le modulateur fonctionne avec des tensions inférieures à 1 volt généralement. Bon, je termine la séance aujourd'hui, parce que là, soit pile, le World Bank, le World Bank. Je termine avec ça, donc, un petit peu les signaux que je dis. Donc, elle, c'est la porteuse. Ça, c'est le signal module. La somme, la somme, bon, mathématiquement, on va faire ça, faire un exercice, mais on va faire la même chose. On va, c'est-à-dire, l'exercice, on va calculer les différents signaux. Et là, on va voir la forme, la somme, ça, c'est la somme, ça plus ça. Les deux signaux. Maintenant, la diode, la sortie Th, elle va me donner ça. Le circuit, elle a le filtre, et atteint la forme Th, la AN. Voilà le signal, les points, A, B, C, D ou E. Ça, c'est le point, donc ça, c'est la porteuse, c'est un modulant. Donc, la somme, la sortie à la diode, ou la sortie AN. Bon, absolument, parce qu'on va prendre. C'est la transistor. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Sahaftorkom, à demain, inshallah. Demain, 8h30. De rien.